Amen.
Thank you.
Is the reason I was born. Hallelujah. Hallelujah. This is the day I was waiting for. Voici le jour dont j'attendais. Leave your church, tell 1,000 people your life will never be the same again. Your life will never be the same again. It is impossible. My story is changing. I want to thank UB Choir. Je voudrais dire merci à la chorale de UB. And the coordinator of UB Choir. Et le coordinateur de la chorale de UB. I met him on Facebook some maybe 2 months ago. Il y a environ 2 mois. I met him on Facebook about 2 months ago. Je les ai rencontrés environ 2 mois. And I just fell in love with them. Et je suis tombé amoureux d'eux. Are you blessed in the administration tonight? Je suis béni dans l'administration ce soir. We love you and God bless the place. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Amen. Amen. Try to get their tapes at the end of the service. Faites des efforts d'avoir leur CD à la fin du service. Don't leave without getting my book, Becoming Your Dream. Et quittez pas ce lieu sans avoir mon livre, Devenir votre rêve. There's a dream in you that must not die. Il y a un rêve en vous qui ne doit pas mourir. Hallelujah. Hallelujah. I wrote this book in South Africa, Pretoria. J'ai écrit ce livre en Afrique du Sud, en Pretoria. Mind the treasures in you. To dig out the treasures. Creusez le trésor qui se trouve en vous. Born to reign. Né pour régner. Have various cities there. J'ai plusieurs CD ici. Holy Spirit in the New Testament. Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. No more bondage, part 1 and 2. Plus d'esclavage, partie 1 et 2. Intimacy with the Holy Spirit. Intimité avec le Saint-Esprit. Keys to greatness. La clé de la grandeur. Desires of a spirit-filled Christian. Désirer être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Walking in your authority. Marcher dans l'autorité. Get these steps, they will change your life. Ayez ces CD et ils vont changer vos vies. Hallelujah. 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 Shout hallelujah. Are you sure you are ready tonight? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Stand up and say, Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Tonight is liquid anointing. Ce soir, c'est le Saint-Esprit liquide. People are praying for this service all over the world. Et j'ai appris pour ce service partout dans le monde entier. Hallelujah! Hallelujah! The devil is already running away from here. Le diable est déjà enfui de ce lieu. Hallelujah! 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 Tell yourself, this is my day. This is the time. Voici le temps. This is my season. Voici ma saison. This is my hour. Voici mon heure. Today is my day. Aujourd'hui c'est mon jour. Today is my day. Aujourd'hui c'est mon jour. If you are here tonight, si tu es ici ce soir, whatever is your condition, quelle que soit ta condition, begin to make bye bye to that old condition. Commence à dire au revoir à cette ancienne condition. Say bye bye to my old condition. Bye bye to my old situation. Bye bye to my old level. Bye bye to my old platform. Bye bye to my old standards. Things are changing around me. Things are changing around me. Things are changing around me. I see angels walking in this place tonight. I see angels in life tonight. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Take your hand and just thank the Lord for the Holy Spirit. Thank the Lord for the Holy Spirit. Raise your hand and thank the Lord for the Holy Spirit. Thank the Lord for the Holy Spirit. Thank the Lord for the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, it is impossible. The Spirit is supernatural. Tonight, because of the Holy Ghost, the man will see. Because of the Holy Ghost, the man will walk. Because of the Holy Ghost, the dead are raised. Because of the Holy Ghost, the story is changed. Shout Holy Ghost!
Alléluia, clap your hands, give the Lord glory. Alléluia. Alléluia. I traveled from my church from the US. I came from the US. Je viens des États-Unis. My church is in Maryland. Mon église est à Maryland. World Vision International Worship Center. World Vision International Worship Center. Hightsville, Maryland. À Maryland. Hallelujah. In the New Testament, dans le Nouveau Testament, every page in the New Testament talks about the supernatural. Toutes les pages du Nouveau Testament parlent du surnaturel. The New Testament was born by supernatural. Le Nouveau Testament fut né par le surnaturel. A virgin conceived a child. La Vierge a conçu un fils. Every story in the New Testament. Toutes les histoires dans le Nouveau Testament. Demonstrate the power of the Almighty. Démontre la puissance du Tout Puissant. Hallelujah, somebody. Hallelujah. I want to focus tonight on the first 10 chapters of the Book of Acts. J'aimerais me focaliser sur le 10e chapitre du livre de Actes. Because the only book in the New Testament. Parce que le seul livre dans le Nouveau Testament. That did not end with Amen is the Book of Acts. Qui ne s'achève pas avec Amen, c'est le livre de Actes. From Matthew, Mark, Luke, John. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Romans, Corinthians, all the rest. Corinthiens et tous les autres. The last chapter ends with Amen. La fin de leur chapitre finit, il se termine avec Amen. But the only book in the New Testament. Mais le seul livre dans le Nouveau Testament. That did not end. Qui ne s'achève when pas. When the author wrote the last word. Because the acts of the apostles is open until Christ comes. Parce que les actes des apôtres sont ouverts jusqu'à la venue du Seigneur. And today some acts will be added in the acts. Hey! Hallelujah! Hallelujah! So in Acts chapter 1. Chapitre 1, we see the apostles witness a supernatural manifestation. Nous voyons les apôtres témoignant dans le surnaturel. When they saw Jesus rising up to the sky. Quand ils ont vu Jésus se lever dans les cieux. While they watched Jesus ascending to heaven. Quand ils ont vu Jésus montant dans les against cieux. Against all the laws of nature. Au-dessus de toutes les lois de la nature. They saw Jesus. Ils ont vu Jésus. They have been with him for 3 years. Ils ont été avec lui pendant 3 ans. They have with him. Ils ont mangé avec lui. And he was with them talking for 40 days. Et il était en train de parler avec eux. After resurrection. Et après la résurrection, suddenly, mais soudainement, he lit up his eyes in the heavens, ils ont levé les regards vers and a new law was put in place. Et une nouvelle loi était mise en place. Une loi surnaturelle. The supernatural law. La loi surnaturelle. His body. Ce corps. Jesus was still body. Jésus avait le même corps. With bones and flesh. Avec l'os et la chair. It was celestial body. C'était le corps céleste. They saw him rising up. And while they were gazing. Et pendant qu'ils étaient en train de regarder, while they were looking up to heaven, ils regardaient vers le ciel. The angel said, "Ye men of Galilee." L'ange a dit, vous hommes de Galilée. Why gazing to heaven? Pourquoi regardez-vous vers les cieux? This same Jesus. Ce même Jésus. That you have seen go to heaven. Que vous voyez monter au ciel. He will come back again. Il reviendra encore. Every chapter of the book of Acts. Toutes les chapitres du livre de Acts. It reveals the demonstration. Revèle la démonstration. Of the supernatural. Du surnaturel. Power of God. La puissance de Dieu. In Acts chapter 2. Dans Acts chapitre 2. From verse 1. À partir du verset 1. On the day of Pentecost. Le jour de la Pentecôte. The Holy Ghost came down. Le Saint-Esprit est descendu. With fire from heaven. Avec la puissance du ciel. And these men begin to speak in different tongues. Et ces hommes ont commencé à parler en différentes langues. And there was a crowd gathering. Et il y avait une grande foule. And these non Galileans. Et même ces hommes de Galilée. They were hearing speaking in our own different tongues. Ils entendaient parler en leur propre langue. And these men were filled with the Holy Ghost. Et ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit. And their lives were changed forever. Et leur vie était changée pour toujours. I come to announce to you. Je suis venu t'annoncer. This is the hour. Voici l'heure. This is your destiny. Voici ta destinée. This is your day. Voici ton jour. By the power of the Holy Ghost. Your family will change. Your business will change. Your name will change. Your ministry will change. Your nature will change. Your history will change. Because not by might, not by power, but by the Holy Ghost, the blind eyes will see. The Lord will walk. Hallelujah. Hallelujah. Whenever the Hallelujah. Shout Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. So in Acts chapter 1, they witnessed supernatural manifestation. Ils ont été témoins de la manifestation naturelle. They saw Jesus ascending. Ils ont vu Jésus monter. In Acts chapter 2, dans Acts chapitre 2, men began to speak different languages without any meaning. Ont commencé à parler des diverses langues. In Acts chapter 3, et dans Acts chapitre 3, Peter and John, Pierre et Jean, going to the temple, allant dans le temple, and the same man 40 years old, et le même homme de 38 ans, sitting at the gate, assis à la porte, and the same word, such as we have. Et ils t'ont dit, we give unto you, nous te le donnons. And suddenly, et soudainement, he
so long. Qui était là pendant si longtemps. Something happened in his place. Quelque chose s'est passé dans ses ordres. I see something happening tonight. Et je vois quelque chose se passer. I see the Holy Ghost moving. Je vois le Saint-Esprit in your system. Dans ton système. I see the Holy Ghost moving. Je vois le Saint-Esprit in your bones. Dans tes ordres. The Holy Ghost. Saint-Esprit. Walk to me. Agir. Holy Ghost. Walk to me. Agir en faveur de moi. I see the Holy Ghost. Walk to me. His bones begin to shake. Cet homme, ses os commençaient à bouger. There was a day I was invited in Bonalyonga Street. Il fut un jour, j'étais invité. Bonalyonga Street. À Bonalyonga Street. Boya. À Boya. Just opposite the market. Juste en face du marché. I entered the house of one Mr. Lyonga. Je suis entré dans la maison d'un monsieur. The daughter was Elizabeth Mukake. Et la fille s'appelait Elizabeth Mukake. Bonalyonga Street. She was lying on the bed for 10 years. Depuis 20 ans, elle était couchée sur le lit. 10 years. 6 ans, elle était sur le lit. She had a first degree in accounting in London. Elle avait la licence en comptabilité à Londres. And got attacked by a strange sickness. Et elle était victime d'une maladie étrange. She could not see light. Elle ne pouvait pas voir le jour. She lives in a back room. Elle vivait dans une chambre sombre. She could not stand. She could not walk. Elle ne pouvait pas se tenir, encore moins marcher. The room was smelling because she had been on bed for 10 years. La chambre sentait parce qu'elle était dans le lit pendant 6 ans. As I entered the room, I saw a beautiful picture on the wall. Quand je suis entrée dans la chambre, j'ai vu une belle photo sur le mur. Something began to happen in my life. Soudainement, quelque chose a commencé à se passer dans ma vie. I saw this girl sleeping there. J'ai vu cette fille se coucher là-bas. With destiny, with a future. Avec une destinée, un futur. All her life was real. All her life was ruined. Toute sa vie était ruinée. Her dreams were ruined. Ses rêves étaient ruinés. Bound for 10 years. Lié pendant 10 ans. And suddenly, et soudainement, I got the Holy Ghost anger. J'ai eu une colère. And I shouted, Holy Ghost, move! Maryland. Today, aujourd'hui, she is with me in Maryland. Elle est avec moi, Maryland. In Baltimore City. Oh, dans cette ville. Working in Baltimore City. Elle travaille à Baltimore City. Working elle travaille in John Hospital. Dans un centre hospitalier. Strong. Beautiful. Belle. Hallelujah. Hallelujah. This is your night. This is your night. Every sickness must die. Mountain will collapse. When the Holy Ghost moves, every stronghold is broken. When the Holy Ghost moves, hallelujah! Look at the Holy Ghost moves in your system. To receive the miracles now. Don't wait for altar call. Begin to receive the miracles now. In Acts chapter 1, dans chapitre 1, they saw Jesus rising up. Ils ont vu Jésus in Acts chapter 2, they spoke 2, in strange languages. Ils ont parlé dans les, par les langues extraordinaires. In Acts chapter 3, chapitre 3, a man lived for 40 years. Un homme qui était paralytique pendant suddenly began to walk. Soudainement, commencé à marcher. Hallelujah. Hallelujah. In Acts chapter 4, dans Acts chapitre 4, I like this one. J'aime ceci. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Bible saying, la Bible déclare, Acts 4 from 31, Acts chapitre 4, à partir verset 21, when the disciples have prayed, quand les disciples avaient prié, the place was shaking. Le lieu était en mouvement. Oh my God, my oh God, my God. Dieu, mon Dieu. When they have prayed, quand ils avaient fini de prier, the place was shaking. Le lieu bougeait. And they were all filled. Et ils étaient tous remplis. When the Holy Ghost, quand le Saint-Esprit, and preached the word, et ils ont prêché le bonheur. And for the first time, et pour la première fois, even the priests, même le became disciples. Et je venais d'ici. Hallelujah. Say Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Saint-Esprit. Move in my family. Agis dans ma famille. I can see a shaking. Je peux voir.
mountains are shaking. Les montagnes sont every zone of darkness is on fire. Hallelujah. I see a shaking. Je vois, n'est-ce pas, everything un mouvement planted de by the devil planté par le is diable shaking tonight. Et every power toute puissance of the enemy des is shaking tonight. Et en train de hallelujah. Hallelujah. They were all filled with the Holy Ghost. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. And great grace was upon their life. Et une très grande grâce était sur leur vie. Hallelujah. Hallelujah. In Acts chapter 5, dans Actes chapitre 5, something happened. Ananias et Sapphira. You know the story? Vous connaissez l'histoire? They went to deceive Peter. Ils sont allés tromper Pierre. Is the Holy Ghost in your church? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans ton église? They entered the church to deceive Peter. Ananias est tombé mort. Sapphira came and fell down dead. Et Sapphira est venue tomber morte. Because there was power in the church. Parce qu'il y avait la puissance dans l'église. C'est power in the church. C'est puissance dans l'église. C'est le Holy Ghost. Was present in the church. Is the Holy Ghost working in your church? Est-ce que le Saint-Esprit est là dans ton église? It's a sad thing to see dead churches. C'est triste de voir les églises mortes. With dead sermons. Avec des sermons morts. With dead members. Avec des membres morts. That are waiting for pastor to bury them. Qui attendent les pasteurs de les enterrer. When the Holy Ghost moves. Quand le Saint-Esprit agit. You know, I just remember yesterday. Je me rappelle hier. That for all my life. Pendant toute ma vie, I'm above 45. J'ai plus de 45. I don't remember burying three people in my family. Je me souviens avoir enterré trois personnes dans ma famille. My mother died, ma mère est morte, mon père et ma tante. You know, we don't die. Vous voyez, vous ne mourrons pas. I said, we don't die. Je dis bien, nous ne mourrons pas. Oh my God. Oh mon Dieu. Is that your destiny? No. Does not reign where Holy Ghost reigns. Alors l'église. So death. La mort prématurée. Does not reign. Ne règne pas. Where Holy Ghost reigns. Là où le Saint-Esprit règne. Disasters. Le désastre. Does not reign. Ne règne pas. Where Holy Ghost reigns. Là où le Saint-Esprit règne. Hallelujah. Hallelujah. Barrenness. La stérilité. Does not reign. Ne règne pas. Where Holy Ghost reigns. Là où le Saint-Esprit règne. I was preaching. Je prêchais. By her invitation. Par mon invitation. In Bafoussam. À Bafoussam. To the women of Bafoussam. Aux femmes de Bafoussam. And suddenly the Holy Ghost said to me. Et soudainement le Saint-Esprit m'a dit. There are women here. Il y a des femmes ici. Married to snake. Mariées au serpent. You remember? And I made an attack call for them to come out. Et j'ai lancé l'appel et elles sont venues. Three women came. Trois femmes sont venues. That have sex with serpents. Qui avaient des couches qui couchaient avec des serpents. I don't know how they do it. Je ne sais pas comment ça se passe. They came as I cried. Elles sont venues commencer à pleurer. Pastor, set us free. Pasteur, rends-nous libres. And after one year, I met that one of those women. Et après un an, j'ai rencontré l'une de ces femmes. She was married now. Elle était maintenant mariée. I have a first child. Et elle a eu son premier fils. Tonight, ce soir, every yoke is destroyed. Every initiation is destroyed. Things change. Les choses changent. Hallelujah. So Hallelujah. Acts chapter 5. Dans Acts chapitre 5. Ananias experienced the power of God. Ananias a expérimenté la puissance de Dieu. Died in the church. Elle est morte dans l'église. If your church is alive, si ton église est vivante, sin will not reign in the church. Le péché ne règnera point dans l'église. You will be living in the choir and living for the cushion. Tu pourrais être dans la chorale et vivre dans you la congrégation. You will be an elder and in the court. Tu ne pourrais pas être dans être you pas be a drunkard pastor. Hello. Hello. When the Holy Ghost moves, quand le Saint-Esprit agit, the church is alive. L'église est vivante. And healthy. Et en bonne santé. With testimonies. Avec des témoignages. In Acts chapter 6. Dans Acts chapitre 6. Verse 8. Au verset 8. It says stealing. It says stealing. Il est écrit Étienne. Was full of the Holy Ghost and power. Il était rempli du Saint-Esprit et de puissance. And did great signs and wonders. Accompli des signes et des prodiges. Every chapter in Acts. Tous les chapitres dans le livre d'Actes. Vous pouvez voir le surnaturel. I was a Stephen. La Bible déclare. Was filled. Que était with the Holy Ghost. Du Saint-Esprit. And with power. Et de puissance. And did great signs. Et il a and wonders. Signes et des prodiges. Shout signs. Criez
shall signs and wonders today. Signs and wonders today. Are you sure? Can you give me some music there? The signs and wonders today. Signs and wonders. Et il a accompli des grands signes et prodiges. Signs and wonders are not for apostles. Les signes et les prodiges sont pas seulement pour les apôtres. For every child of God. Mais pour tout enfant de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. See, I will see. I will see. And I will experience. I will see. Say, Lord, I will see. Je vais dire. That someone say, I will see. Mettez le mot et dis, je vais dire. I will experience. Confess. Lord, I will see. I will experience. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dans Actes chapitre 7. Oh. Verset 55, 56. Stephen said, I see heaven open. Étienne de dire, je vois les cieux ouverts. I see heaven open. Je vois les cieux ouverts. And Jesus standing. Et Jésus se tenant. At the right hand of the Father. À la droite de, du Père. Say, I see heaven open. Dis, je vois les cieux ouverts. Confess, I see heaven open. Confess, je vois les cieux ouverts. Say, I can see heaven open. Dis, je peux voir les cieux ouverts. I can see heaven open. Je peux voir les cieux ouverts. I can see Jesus. Je peux voir Jésus. Standing. C'est at the right hand of the Father. À la droite du Père. Stephen began to see heaven, heavenly visions. Étienne a commencé à voir les visions célestes. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. He was able to see. Il était capable de voir. In a spiritual dimension. Dans une dimension spirituelle. God will bless prophets here tonight. Dieu va se les prophètes ce soir. They will open their eyes to see. Il va ouvrir tes yeux pour voir. They will open their ears to hear. Il va ouvrir tes oreilles pour que tu entends. I see Jesus. Je vois Jésus. I see Jesus. Tu vois Jésus. I see Jesus. Je vois Jésus. When you see him. Quand tu le vois. Your life cannot be the same again. Hallelujah. Hallelujah. In Acts chapter 8. Dans Acts chapitre 8. Bible says Philip. La Bible déclare Philippe. When he baptized the Ethiopian eunuch. Quand il a baptisé le eunuque éthiopien. The Holy Ghost carried him in the air. Le Saint-Esprit l'a transporté dans les airs. For 26 miles. Et pas pour environ 26 kilomètres. From the wilderness of Jesus as wilderness. Dans le désert. To Azotus. Pour Azotus. He was transported by the Holy Ghost. Il fut transporté par le Saint-Esprit. For the first time, pour la première fois, a man went by air to the 6 miles. Un homme qui marche dans les airs. Without a plane. 6 kilomètres sans avion. I hear the Holy Ghost say. J'entends le Saint-Esprit dire. Tonight. Ce soir. God will reposition somebody. Dieu va reposer une personne. Hallelujah. You will locate your destiny. Il va localiser ta destinée. God will carry somebody. Dieu va transporter. To the place you're born to be. From the wilderness désert, to the promised land, they will take you out of your wilderness. De in the name of Jesus, I hear the voice of the Holy Ghost. Say, I will carry you from that wilderness. I will take you out from that dry land. I will take you out of that frustration. I will take you out of that sick condition. I will take you out. Hello. Hallelujah. Your plan begin to see. Si Dieu le veut, commence
Il a même begin to walk. Hallelujah. Il a même begin to hear. Because the Holy Ghost is here tonight. In Acts chapter 9. Acts chapitre 9. Saul. On the way to Damascus. Sur le chemin de Damas. Ready to kill. Prêt à tuer. And suddenly. Et soudainement. This mighty man. Ce puissant homme. Fell on the floor. Tombé au sol. I said, who are you, Lord? Et a dit, mais qui es-tu, Seigneur? He was transformed by the Holy Ghost. Il fut transformé par le Saint-Esprit. He saw Jesus Christ. Il a vu Jésus Christ. And tonight. Et ce soir. The same Jesus. Le même Jésus. The same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. Is here tonight. Il est ici ce soir. Then my story is changing. Dis mon histoire change. Hallelujah. Oh my God. Oh mon Dieu. This man could not be changed by a pastor. Cet homme ne peut pas être changé par un pasteur. He cannot be changed by sermon. Il ne peut pas être changé par un sermon. He was killing the believers. Il tuait les croyants. But on the way to Damascus. Mais sur le chemin de Damas. He encountered the supernatural. Il a rencontré le surnaturel. He encountered the supernatural. Il a rencontré le surnaturel. His name was changed. Son nom fut changé. Their name was changed. Son nom doit changer. His mission was changed. Sa mission fut changée. Their mission was changed. Sa mission changera. His life was changed. Sa vie changera. Their life was changed. Sa vie changera. His story was changed. Son histoire fut changée. He became an apostle. God will make you. God will make you somebody. Donc, Dieu fera de toi quelqu'un. Say tonight. Dis ce soir. I see my life change. Je vois ma vie changer. I see my condition change. Je vois ma condition changer. Bible says this mighty man. La vie fell on the floor. Tombe au sol. I saw heavenly light. Et vu une lumière. He saw the glory of God. Il a vu la gloire de Dieu. Tonight I sense the glory here. Ce soir, je vois la gloire. The same anointing. La même onction. That changed the life of Saul. Qui a changé la vie de Saul. And changed the name of Saul. Et qui a changé le nom de Saul. That same anointing is cette here. Même onction est ici. In Acts chapter 10. Dans Acts chapitre 10. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? There was a man called Cornelius. Il y avait un homme appelé Corneille. A colonel. Un colonel. A centurion. Un centenier. Hallelujah. Hallelujah. He was praying. Il priait. And an angel appeared to him. Et un ange lui est apparu. And when he saw the angel, et quand il a vu l'ange, the angel said, your prayers and your arms have come before me for memorial. L'ange lui déclarait, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Send for Peter. Send for Peter. Il a envoyé Pierre. When Peter came, et quand Pierre est arrivé, while he was still preaching, et pendant qu'il prêchait encore, oh, hallelujah, hallelujah, while he was still preaching, quand il prêchait encore, the Holy Ghost moved among them. Le Saint-Esprit était en action parmi eux. They started speaking in tongues. Ils ont commencé à parler en langue. Without even baptism. Sans être baptisés. Gentiles. Les païens. And the Holy Ghost filled the whole house. Et le Saint-Esprit a rempli toute la maison. Tonight. Ce soir. It's the continuation. C'est la continuation. Of the book of Acts. Du livre de Acts. Hallelujah. The same Holy Ghost. That changed Cornelius. Qui a changé Cornelius. The same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. That changed Paul. Qui a changé Paul. The same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. That changed the lame man. Qui a changé le the Paul. Same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. That made apostles. Qui a rempli les apôtres. It's here tonight. It's here tonight. You have a choice. Tiens, you have a choice. Tiens, to say in the name of Jesus. Jésus, I cannot go home the same. In the name of Jesus. Jésus, I connect to the anointing. Je me connecte à la I connect to my healing. Je me connecte à I connect guérison. To the power. Je me connecte à la I connect to my testimony. Je me connecte à mon témoignage. Hallelujah. Hallelujah. C'est le bon. Dis-moi ça. It is impossible. C'est impossible. For you. Pour toi. To go back the same. De retourner le même. Can you stand up, please, tonight? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, ce soir? There's a mighty anointing here. Il y a une puissante onction en ce lieu. I like grace. Be on the mic, please. La sœur grâce, soit au micro, s'il vous plaît. Take up the hands, please. Levez les mains, s'il vous plaît. Begin to pray. Begin to pray in tongues. Commencez à prier en langue. Priez en langue. Priez en langue. Begin to pray. Begin to pray. Impossible. To go back in chains. De retourner dans les chaînes. Decide a destiny. Decide
testimony. Et c'est ton témoignage. Reçois le testimony. Et c'est ton témoignage. I call it out. Don't listen, I call it out.
have somebody. Tell me when I have somebody. Ask us to the crowd. The glory is so great. Just get the crowd. And help somebody. Help somebody. Receive. 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 Oh my God.
Oh mon Dieu. Don't struggle, don't struggle. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. Walk in the crowd. Les anges sont en train d'œuvrer dans la foule. Right behind them. Loin là derrière. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Je ne dis pas que vous avez besoin de prières, mais si vous savez que vous avez été guéri, venez ici devant. Si vous savez que vous êtes guéri, venez ici devant. Hallelujah. Hallelujah. Holy Apple, please. Tiens ton voisin, s'il te plaît. The last, nous avons encore quelques minutes. Tenez votre voisin. We to prophesy for that level. Tu vas prophétiser sur la vie de ton voisin. Hello. Hello. We to prophesy for that level. Tu dois prophétiser sur ton voisin. We to declare. Commence à déclarer. La prospérité, la transformation, la prospérité, life, la vie, victory, la victoire, une rencontre divine. Commence à décréter. Send me the testimony that I, send me any testimony that I'm serious. Envoyez-moi les témoignages sérieux. Rapidement, s'il vous plaît. Venez avec vos témoignages. Venez avec vos témoignages. Alléluia. 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 What's your name now? Quel est ton nom? My name is Florence FSI Ekoumé. What happened to you? I came with fever and body weakness, but I'm strong. Je suis venu avec la fièvre et les problèmes de corps. J'avais mal au corps, maintenant je suis fort. In the name of Jesus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. What's your name? Quel est ton My nom? My name is Stabler Machana. What happened to you? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? He has been for 8 years. Depuis 8 ans, j'avais mal au ventre. Bring me microphone, please. Microphone, please. Le micro, s'il vous plaît. How many years been? Combien d'années de douleur? 8 years. 8 ans. How many years been? 8 years. Where was the pain? Where was the douleur? Have you touched the place? Yes. Ici, I shall plus de au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on. Que Dieu te bénisse. What's your name, man? Quel est ton nom? I am suffering from asthma for past 20 years. Il y a 20 ans, but yesterday I got my deliverance. Quel est ton nom, maman? 15 years well, this is the hold me. Alors, on va suffer avec le plus hospital to hospital. J'ai eu mal à ce que from Monday, as I start coming here, now I saw the work up, I had to sleep so that I can say I can do something. In the name of Jesus. Out! 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 In Jesus' name. Au nom de Jésus. Keep coming and give the Lord glory, Seigneur. Don't go see this, just me. Plus de maladie au nom de Jésus. My name is Ayoke. What happened to you tonight? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? I was having a very high BP of 168 on 104. High BP. Wonderful. Yesterday. 168 yeah. On what? On 104. That is, Dr. Sidney, come. I don't listen. The department. 168. On 104. That means what? The high.
hypertension extremely high. It's dangerously high. Parce qu'au fait, for me, it came down to 149.96. So when I came, before I came here today, my heartbeat was so fast. When I hear noise, it's like, I told my neighbors, I'm not a hypertensive patient. That pressure is not mine. I believe that maybe it's one grandmother living inside me. I can never be hypertensive and I'll never be. So what happened now? Jésus. Sanctifié forever. Dans la vie pour toujours. In Jesus name. Au nom de Jésus. 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 Come now. Sors. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. What happened to you? God bless you, please. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi rapidement? What was your name, please? My name is Marjorie Nyanzen. What happened to you before? I was feeling pain in my chest over 10 years now. 10 years? Then now what happened? No, I don't have any pains again. No pain? No. 10 years pain in the chest. In the name of Jesus. No more. Holy Ghost, move. No more. Holy Ghost, move. Saint-Esprit agit. And I told the lady beside me that, oh, look, I feel like vomiting. She said, go behind and vomit. I went behind, I tried, I couldn't vomit. I came back, I was still pressing the Lord. And the thing went wrong again. And when you said, now receive your blessing, the thing turned and I just started vomiting. And that was a deliverance. Yes. In Jesus' name, My name is Bob Gabitore. About 3 days ago, I'm fitness in this man. Like, my hand is up and down. Yeah. I feel pain here. Immediately start prayer, start sweat, and start fever. Hallelujah. Yesterday I came with menstrual disorders. I've been bleeding for almost a month today. So yesterday I came in. About a month ago, I went to the hospital last month. They said that I have started developing growth. So they prescribed to me some medicine, but I took them and I was praying and believing God that I will be healed. So today my aunt called me that I should come to Tiko. I was here Sunday, Monday, but I went back to Douala. So I came today this evening. On coming, I told myself that I will not go back the same.
So when they were praying, and I stood under the canopy there, suddenly I felt cold, something like cold fell on me. Then I had my stomach. It was like as if it was tight. I had something just loosened. Yes. So I just said, oh God, I beg God to pray in the name of Jesus. Le plus grand miracle. It's not cancer. Ce n'est pas le cancer. It's not diabetes. Ce n'est pas le diabète. It's bone aim. C'est. 1 minute, please, quiet. 1 minute. 1 minute, chorale, s'il vous plaît. The greatest miracle. Le plus grand miracle. Is salvation. C'est le salut. Feel forgiven. Les péchés pardonnés. Life change. Les vies changées. You are here tonight. Tu es ici ce soir. You want to live the kingdom life. Tu voudrais. You want to live the kingdom life. Tu veux vivre la vie du royaume. You want to live in the Holy Ghost. Tu veux vivre dans le Saint-Esprit. You want to live a transformed life. Tu veux vivre une vie transformée. You want to live born again life. Tu veux vivre une vie de nouveau. Run forward here. Le Seigneur est ici. Run forward here. Cours rapidement ici devant. Run forward here. Cours rapidement ici. Run forward here. Cours ici. You want to be born again. Tu veux être né de nouveau. Run forward here now. Cours rapidement ici. Pastor, please. Rapidement, s'il you want to give your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus. You want to be born again. Tu veux être né de nouveau. You want a new life. Tu veux une nouvelle vie. Run forward. Cours ici devant. Run forward here. Cours ici devant. You want to be changed. Tu veux être changé. You want to be transformed. Tu veux être transformé. You be born again. Tu veux être né de nouveau. Run forward here. Cours ici devant. That is the greatest miracle. Là, c'est le plus grand miracle. Run again. Cours. The greatest miracle. Le plus grand miracle. Is to belong to Jesus. C'est d'appartenir à Jésus. The greatest miracle. Le plus grand miracle est d'appartenir à Jésus. The greatest miracle. Le plus grand miracle est de donner ta vie à Jésus. Come to Jesus. Viens 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 à Jésus. Yes, Lord. Repeat this prayer after me. With all your heart. Believe it.
courage de suivre son prière. And that prayer will take place in my life. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, tonight I come to you with all my sins. Lord Jesus, I accept that I'm a sinner. I have sinned in my thoughts, in my words, in my actions. Tonight I repent. I surrender my life to you. Come into my life. Change me. Wash me. Cleanse me. Write my name in the book of life. Lord Jesus, I believe with all my heart that you died, that you rose again to give me life. Thank you, Jesus, for saving me. In your name I pray. Amen. Amen. I'm going to pray for you now. Father, I thank you for these ones. Lord, you said if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our sins. Father, they have confessed you. Lord, I pray that you will take over. Wash them. Cleanse them. Purify them. Write their names in the book of life. Give them power to become children of God. Thank you, Father, for what you have done. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. If you make that prayer with all your heart, this night, ce soir, you are born again. You are now a child of God.